avec plaisir et avec honneur que nous acceptons cette lourde tâche qui nous a été confiée d'être président du jury, mais avant d'être président, d'être membre du jury avec mes collègues qui sont là autour du présidium, pour couronner en fait un long processus qui a démarré depuis le mois de décembre 2022 à travers le prix de l'innovation. Ce prix en fait qui vient matérialiser une vision de Madame le recteur lors de son arrivée à USN, qui voulait que l'innovation soit mise au cœur de la pédagogie, mais également au cœur de l'action à USN. Répondant ainsi aux 9 missions qui ont été confiées à l'Université du Sinsal-Ibrahimanias, notamment la contribution à l'innovation, ainsi qu'à la valorisation des résultats de recherche, mais également préparer les étudiants à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Les porteurs, en fait, on avait demandé à leurs porteurs de déposer, de faire des présentations vidéo de leurs solutions, ce qu'ils ont eu à faire. Et ensuite, on est passé à la sélection et à la notification des projets qui ont été retenus. Et ces projets étaient au nombre de 11. Et les bénéficiaires ont pu avoir droit à l'accompagnement et au coaching de l'incubateur USN à travers des pitchs, à travers des visites sur le terrain, mais également à travers un accompagnement personnalisé par des entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la finale pour permettre à ces équipes de nous présenter leurs solutions et ainsi promouvoir l'innovation au sein de USN. Très tôt à USN, on inculque à nos chers étudiants la phrase célèbre de Beaumarchais. Je le cite : la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Cette phrase révèle l'essence même de l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire l'audace. L'audace est le fil conducteur qui guide tout entrepreneur à chaque étape de la création d'une start-up. C'est aussi une qualité que l'on prête à la jeunesse. C'est pourquoi le terme d'étudiant entrepreneur résonne pour nous comme une opportunité. C'est l'opportunité de conjuguer énergie, enthousiasme, imagination, savoir, découverte et de toujours s'armer de citations galvanisantes pour aller de l'avant. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ça, c'est Georges Clemenceau qui l'a dit. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites, c'est Leclerc qui l'a dit. Et même en Wolof, donc, il faut s'armer de patience et de courage. Celui qui attend au puits finira par y trouver un seau à puiser. Mesdames et messieurs, il faut retenir que les différences dans les niveaux de développement que l'on constate dans les pays découlent de moins en moins de l'existence de ressources naturelles, mais plutôt de leur capacité à créer des innovations technologiques, des méthodes intelligentes d'organisation et de travail, ainsi que l'utilisation compétitive du savoir. Les jeunes Africains, particulièrement sénégalais, ont l'art d'innover. Et si on se rappelle la pandémie de la COVID-19, on a vu l'ingéniosité de nos jeunes. Mais cette pandémie a également souligné l'importance de la science, de la technologie et de l'innovation. Et surtout la nécessité de construire d'une base industrielle et technologique forte
dans plusieurs domaines. Et surtout dans ce monde en pleine mutation, ce monde des possibles où tout s'accélère. Et dans cet écosystème, notre université, USAIN, se veut l'université de l'entrepreneuriat au Sénégal. Elle porte une ambition, celle de devenir l'université des start-up et de l'entrepreneuriat, et surtout de devenir une start-up hub. Et avec les étudiants, nous y arriverons. Extrêmement important parce qu'il s'agit de la promotion de l'innovation, de la promotion de l'entrepreneuriat, de la promotion du savoir-faire des étudiants. Et je disais ce matin que tout le monde se rappelle que Facebook est né dans une chambre d'étudiants. Donc c'est extrêmement important. Merci Monsieur le Ministre et merci Madame le Recteur pour aussi m'avoir invité. Mon plaisir est d'autant plus grand que l'USAIN m'a fait le grand honneur de me désigner comme parrain de cette compétition. Je vous exprime alors ma profonde gratitude pour le choix porté sur ma très modeste personne. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui arrive dans un contexte marqué par plusieurs initiatives portées par l'État du Sénégal avec pour ancrage le plan Sénégal émergent, qui accorde une place privilégiée à la promotion de l'emploi des jeunes notamment, à travers l'entrepreneuriat. En effet, il y a quelques mois, mon département ministériel, par le biais de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, a organisé un forum national sur le thème avec la mobilisation de tous les acteurs de l'écosystème, y compris les universités. Je voudrais, Madame le Recteur, profiter de cette tribune pour adresser mes sincères remerciements à l'USAIN pour sa participation active à cet événement qui a connu un franc succès. Dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, il y a lieu de noter avec beaucoup d'intérêt la dynamique en cours dans les universités, où la tendance est à la traduction en actes concrets de la mission d'accompagnement des étudiants et des diplômés. En effet, depuis la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur tenue en 2013, l'accompagnement à l'insertion et le service à la communauté sont des missions dévolues désormais aux universités sénégalaises. Elles s'ajoutent aux missions traditionnelles de formation, de recherche, de production et de transmission du savoir. Pour opérationnaliser cette mission d'appui à l'insertion qui s'aligne sur les politiques publiques de l'État du Sénégal en matière d'emploi, les universités sénégalaises ont mis en place des dispositifs d'accompagnement des étudiants et des diplômés, et ces dispositifs sont composés d'incubateurs, de Fab Lab, de cellules université-entreprise, entre autres. Ces différentes structures sont chargées d'orienter et de soutenir les étudiants et les diplômés dans leur choix d'insertion. Et dans ce sens, l'entrepreneuriat en tant qu'activité génératrice de revenus et par conséquent moteur de richesse et de croissance occupe sans doute une place de choix, car le monde de demain se pense, se conçoit et se construit à partir d'aujourd'hui. Le jury a eu beaucoup de mal à départager les candidats, parce que les solutions proposées ont été toutes de haute facture. Mais comme on dit, dans une compétition, il y a toujours un vainqueur, mais il n'y a jamais de perdant, comme je l'ai dit tantôt. Donc, le troisième prix... D'accord. Le troisième prix est décerné à Innov Digitech Agro. J'espère que vous voulez me donner la salade là qui est dans le... C'est ça. Donc le deuxième prix est décerné à Bismillah Delice.
Dans tous mes encouragements. Le gagnant de cette première édition du prix de l'innovation de l'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, parrainé par M. le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Papa Malick Nour, est décerné à G.I.D.E.S.A. Donc, félicitations. Merci pour l'excellent travail.